Et tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG part en live tous les mercredis à 17h. Alors l'heure d'été, l'heure d'hiver, ça change, sur Twitch, bien évidemment, et la semaine d'après en replay sur YouTube. Ça veut dire que si tu vois par inadvertance cette vidéo sur YouTube, sur GLG Vidéo, sache que tu as une semaine de retard. Tu aurais pu la voir soit en live à 17h, soit tu aurais pu la voir éventuellement en replay sur Twitch pendant une semaine. Tu n'avais pas besoin d'attendre une semaine sur YouTube. Tu peux également l'écouter en podcast. Mais en podcast, c'est vrai que tu ne me vois pas. Tu loupes quelque chose. Eh, dis-le, eh, le musée des horreurs. Pas dans le ticket ici, c'est gratuit. Voilà. Bon, bonjour à tous et bonjour pour ce mercredi. Comme toujours, pendant ce live, de quoi qu'on va parler ? De rien, de ce qu'on veut, voilà. On peut parler, alors dans les sujets que j'aimerais bien que vous me réévoquiez éventuellement, pour meubler un peu les trous, avant que j'oublie. Un, on pourra parler des iPhones réparables. Pourquoi c'est une très bonne idée pour Apple ? Et non pas comme tout journaliste dit, comment ils vont faire, ça va prendre du téléphone et tout, enfin voilà. Donc vous pourrez me redemoser en disant, ah pourquoi ? C'est une très bonne idée. Voilà, ça, vous me posez l'action, j'oublie pas. On pourra reparler de Ouin Cerise, là, qui m'a proposé un espèce de hôte aspirante et tout. Ah ! Shadow s'est réabonné avec Prime pendant 5 mois. Notre modérateur est là. Pour parler de la hôte, Ouin, enfin, elle m'a dit, ah, non, on peut pas m'envoyer un contrat pour mais le lendemain, elle m'a réécrit. Et là, vous pourrez me dire, hé, non, elle Cerise pour la hôte, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Par exemple. On pourrait parler de OnePlus, voilà, pour dire, ah, c'est quoi la nouvelle histoire avec les OnePlus, les nouveaux téléphones qui devaient arriver, et que j'aurais pas, bien évidemment, et pourquoi ? Voilà, vous pouvez poser ces questions-là, me les remettre dans les sujets, comme ça, ça permettra, bah, quand j'oublie, souvent, j'ai du mal à suivre le rythme dans la peau, voilà, et bien comme ça, hop, je reprends le filtre, comme ça, on parlera bien des 3 produits que j'ai reçus cette semaine, cause 1er mai, tout ça, les Chinois étaient en vacances du 28 avril au 5 mai, donc la plupart, il y en a qui sont rentrés aujourd'hui, mais la plupart rentrent demain, donc voilà, donc voilà, les Chinois sont en vacances, le monde s'arrête, hein, par exemple, et plus les problèmes à Shanghai, tout ça, voilà. Voilà les sujets que vous pourrez évoquer dans les commentaires, comme ça je reprendrai. Les 3 produits que j'ai testés, que j'ai reçus, je vous les présenterai à la demi, par exemple, parce qu'à la demi, c'est bien. Et vous pouvez relancer les 3 sujets que je voulais lancer, que j'ai presque déjà oublié, comme ça, dans les commentaires, comme ça, ça m'évite d'oublier. Et ça apporte un petit dynamisme à ce chat, où quand il y a des petits temps morts, par exemple, pendu le mort, et ben hop, de relancer le truc. Ah tiens, c'est quoi, ça m'intéresse ton petit sujet là, trop bien, voilà. Donc merci à Shadow qui s'est réabonné à Prime pendant 5 mois, merci à Fred qui s'est réabonné à Prime pendant 3 mois, pas mal, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Twitch, c'est gratuit, bien sûr, et vous pouvez vous abonner, ça c'est payant, mais si vous avez un compte Amazon Prime, vous allez sur votre compte, alors Shadow vous mettra ça, vous êtes sur le compte Amazon Prime, vous gaming, hop, vous liez avec votre compte Twitch, machin, vous mettez tout ça, et vous allez pouvoir avoir un abonnement gratuit, puisque vous payez Prime, donc vous pouvez avoir un abonnement d'un mois gratuit sur Twitch. Autant que ce soit pour moi, parce qu'en plus, ça me rapporte de l'argent. Bon, pas beaucoup, hein. Vous n'en valez pas, hein. C'est pas non plus... voilà, mais voilà. Si vous étiez 100 000 à le faire, là, là, c'était bien. Voilà. Bon, allez, trêve de blaguerie. Alors, le train de la hype. Train de la hype, je sais pas du tout ce que c'est. Mais bienvenue à lui aussi. Ouais, dans le train de live. Bonjour, bonjour, ça sympa, c'est bon. Bonjour à Be Good Game. Oh, c'est... T'es nouveau? T'es nouveau dans le club? On t'a jamais vu? Voilà. Ou peut-être t'es déjà venu, j'ai oublié. Bonjour à TMJ. Oh, ami YouTuber. J'entends qu'on a pas fait de vidéo, hein, TMJ, hein. Fini les lives, les machins, les trucs, hein. Hein? Ça marche pas pour moi, et on voit que ça marche pas pour tout vous, voilà. Et que juste Guy continue encore. Je crois qu'il fait plus de live, il fait plus que des présentations, mais pareil, pour les trucs de live et un peu. Pas beaucoup d'audience. Hein. Il n'y a que. Le seul qui s'acharne, c'est rester connecté, je crois. Avec leur live sur les casques et tout, mais voilà. C'est pas ouf. Hein. On voit que je me dis comme ça, moi. Moi, ça me rassure. C'est gentil de tenter le truc aussi. Comme ça, je vois que bon, bah, je me dis, bon, voilà. Chez moi, ça marchait pas de ouf. Chez les autres, ça marche pas de ouf non plus, quoi. Voilà. Ouais, tout dans la même merde, au moins comme ça, c'est bien, ça fait plaisir. Bonjour à Shadow, notre modérateur, pas trop à l'heure, hein, mais bon, l'important c'est de participer. Le Sébastien Paulet qui me regarde sur son projecteur, un projecteur que j'ai présenté, mais qu'il a acheté, et qui n'est pas mal par rapport à son prix, encore une fois. Frélan me dit bonjour à Tim, bonjour à BZH. Merci, alors, l'abonnement de Shadow, merci. Ça fait 5 mois, mon pote, 5 mois, oui, ça fait pas 5 mois, je vais marquer. Ah oui, pendant 5 mois, c'est ça.
Je vois ça, et je lis, hein. J'ai lu, qui c'est que j'ai vu, qui il y a 3 mois. Ouais, mais c'est l'autre. Je lis très mal. Je lis de travers. Ressub de Shadow, ok. Ah oui, ça c'est bon. Fred s'est abonné avec Prime, c'est son 4e mois. Alors, encore une fois, lui, il utilise son abonnement Amazon Prime pour s'abonner gratuitement à ma chaîne Twitch. Et ça fait beaucoup le plaisir. Voilà. Oh, vous êtes quand même déjà 13 en ligne. Le robot, le compteur est un peu plus chaud aujourd'hui, hein, ça va mieux. Alors, Ressub, alors ça c'est mes téléphones que j'ai le truc que je vais présenter sur Twitch. C'est toi le meilleur. L'important c'est que vous le saviez, le sachiez. L'important, bon, c'est la rose, oui, mais l'important c'est que vous le sachiez. Et même s'il y a chier dedans, écoute, c'est pas grave. Et voilà, c'est tant que vous êtes, tant que vous en êtes convaincu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, alors là, c'est Streamlabs, une webcam, welcome, my GLG friends. Oh, welcome, Fred de GLG friends. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu une bonne... Vous savez, j'avais testé une caméra de conférence, machin, tu sais, un truc un peu dôme et tout. Et ils ont un nouveau... ils ont une nouvelle webcam qui est à peu près sur le même principe. Un peu comme... Ça ressemble un peu à... Je crois que c'est Kinect, c'est une espèce de barre que tu mets au-dessus. Et il y a les caméras. Et donc, du coup, il y a tracking, il y a zoom automatique en fonction de qui parle et tout. Et j'ai trouvé le produit sympa. Donc, ça va être encore un projet quick starter. Oui, mais chez Quick. vous voulez français, anglais, vas-y, elle a tout pris le package et tout. Elle me dit, oh, on a bien aimé votre vidéo, truc. Je sais pas combien ils en ont vendu beaucoup, mais au moins, bon, la vidéo, elle était vue et elle sera encore plus vue maintenant. Et puis voilà, quoi. Donc ça, c'est bien. Et Shox aussi qui m'a recontacté. Shox m'a dit, oui, on veut faire des vidéos encore le... ben, ce mois-ci. Shox, les écouteurs par vibration osseuse. On a adoré vos vidéos, qu'elle m'a dit. Je suis pas sûr qu'il les regarde les vidéos, mais ils adorent. Voilà. Ils ont dû regarder, ils ont dit, oh, ça fait, il a fait un peu de vues. Je sais pas, ça en fait 10, entre 10 et 20 000, je crois, en ce moment. Et puis après, sur la longue traîne, les vidéos, elles prennent ou elles prennent pas. Je sais pas, on s'en bat les couilles, mais... voilà, elles prennent, prennent pas. Prennent, c'est bien, prennent pas. Il fait 6, ça n'a pas pris. qu'est-ce que je veux dire, voilà. Elle dit, oui, on voudrait une nouvelle vidéo sur le truc. Ah, je veux, très bien, ouais, vas-y, choc, j'aime bien leurs produits et tout. J'ai le mec de la trottinette qui m'écrit, mais vous avez reçu notre trottinette, machin. J'ai dit, bah non. Et le mec, je vous ai pas enlevé le tracking, rien. Ah oui, mais il y a le tracking. Ah oui, c'est vrai, il est encore à l'arrivée en Thaïlande, apparemment. Mais comme c'était ici, alors en Chine, c'était du 28 au 5. Ici, il y avait le 1er mai. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du roi. Enfin, du nouveau roi. Enfin, le fils du roi qui est décédé il y a quelques années. Donc, comme c'est l'anniversaire du roi, c'est fête nationale. Et je me demande s'il n'y a pas plusieurs jours, parce que c'est le Dawa. Il y a eu le 1er mai, machin. Il y a plein de monde ici. Les Thaïlandais partout. Putain, on est plus chez nous. Ah bah non, mais merde, je suis en Thaïlande. Ah, j'ai eu Thaïlande est partout, je me retourne, je me dis, c'est fou, hein. Comme en chinois. Hein, comme en Chine, il y a trop de chinois, hein. Des fois, il y a trop de chinois. Hein. En même temps, ils sont chez eux, hein. Ils sont bien. Voilà. Donc voilà, c'est... Et si j'étais à l'heure, mais mon VPN bloquait Twitch. Ah, ouais, mais bon, on peut pas le savoir. Bon, moi, t'étais pas là. Hein. Normalement, tu mets un petit commentaire une demi-heure avant, je suis là, je suis prêt, et tout, voilà. Shadow qui s'auto-congratule, on peut voir ça comme ça, et il a raison, parce qu'il dit qu'il a perdu 17 kilos quand même. Bon, c'est vrai que, comme on dirait chez nous en Thaïlande, il était un peu poumpouille, hein, voilà. Et il s'est bien fait attention au bout de la compote et tout. Oui, j'ai vu ça sur Facebook, j'étais en train de regarder sur Facebook, et je tombais sur l'idée qu'il a perdu 17 kilos, et mangeait de la compote, et il faisait attention et tout, voilà. Et que, bah, félicitations, je veux dire, voilà, entre gros. Non, mais j'ai bien décollé, moi. Je suis à 82 kg 5. Maintenant, le midi, tu vois, je bouffe des amandes, des machins. Je fais un peu léger. Là, on a été marcher avec Jean, parce que Jean, il fait partie du club Poumpouille aussi. Poumpouille, c'est un peu gras. Hein. Gras gros, voilà, mon ami. Gras gros, mon ami. Gros gras, mon ami, voilà. Et on a été marcher une demi-heure. Ah, c'est vrai que je suis revenu, genre, 82 kg 5. Voilà, en faisant un peu attention, je devrais arriver à perdre les 2 kg 5 qui me restent à perdre. Voilà. Espérant que... Le problème, c'est qu'on les perd très lentement, mais on les retrouve facilement. Normalement, c'est l'inverse. Tu perds rapidement et tu mets très longtemps à retrouver. Là, avec les kilos, c'est un peu l'inverse. Tu mets très longtemps à les perdre. Tu les vois. Et après, par contre, tu les récupères. Pop, un bon pas et... Voilà, une petite fête et hop, ils sont retrouvés facile. Aucune cohérence. Je perds un truc, là, je les retrouve jamais dans mon bordel. TMJ, on revient bientôt, j'espère. Compliqué la vie de youtubeur, bravo à toi. Non, ben ouais, après, bon, je pense pas que la vie de youtubeur soit très compliquée.
la vie de youtubeur est intéressante à partir du moment où ça devient un métier. Après, je suis convaincu que plein de gens qui ont un travail, des fois même une famille, j'ai un double boulot, même un chien des fois, pour te dire. Voilà. Non mais quand un travail, une vie de famille. Après, si vous êtes des jeunes célibataires frustrés comme moi et Dimitri, je sais pas si c'est Stanis là, et moi et ça, bon, vous avez plus de temps. Vous avez plus de temps. Mais c'est vrai que quand je comprends, t'as un boulot, après t'as une vie de famille, si en plus faut faire du YouTube, je comprends que c'est pas trop facile. Après, du moment où YouTube commence à être assez rentable, où tu te dis, ouais, je peux vivre de YouTube, donc dans ce cas, bon, tu peux arriver à gérer tes journées de travail et ça devient un peu plus facile, même si le boulot de YouTubeur est assez redondant. On va dire, s'il n'y a pas la passion, au bout d'un moment, voilà, faire des vidéos, là, j'ai fait les écouteurs One More et tout. Enfin, la vidéo de Gravastar, elle est prête. La vidéo de Wondershare, elle est prête. Faut que je fasse la vidéo des One More. Donc, j'ai fait les plans aujourd'hui. Demain, je fais la voix et après, la vidéo, elle part au montage. Demain, elle devrait torcher. Mais après, j'ai encore deux téléphones à faire. J'en ai un encore qui arrive. J'ai la trottinette là et on est en train de dire avec Kermoul là. Parce que Kermoul, il me casse un peu les boules parce que voilà, le but c'était d'avoir un casque, de les placer dans une review de trottinette, ça me paraissait un peu évident. C'est-à-dire, c'est de les placer dans une review, c'est-à-dire qu'on présente la nouvelle trottinette 1200 watts résistante, nanana, et on dit pour aller avec ça, rien de mieux qu'un joli Kermoul qui ne te protège pas les boules du tout, mais voilà, joli casque Kermoul pour aller faire de la trottinette, et on dit voilà, on le présente vite fait et on l'utilise pendant la review. Là aujourd'hui c'était oui, alors en fait la vidéo en fait c'est juste une petite présentation, c'est pas le principal de la vidéo. J'ai dit non mais ça va, le casque il vaut 60 balles, je vous charge pas en truc, voilà, c'est juste présentation du casque. Oui, alors après j'ai dit écoutez, moi je veux bien, on fait le casque et au pire je fais que votre casque avec la trottinette et les deux autres casques que j'ai eu de Smart for You, et j'en ai eu un de Imo je crois. Je pourrais les mettre dans la prochaine trottinette qui est plus une trottinette de ville avec le feu stop et tout, ça paraît un peu cohérent. Et je dis, si vous voulez m'en envoyer d'autres, des casques, éventuellement, on fait un truc un peu pour passer un peu plus de temps sur vos casques. Mais sinon, je vous me demandez de faire une review complète, je vous charge et je vous fais une vidéo que pour votre casque, hein, quitte à le détruire, tu vois. Mais les mecs, tu sais, ouais, mais en fait, j'étais un petit déballage pendant la vidéo. Croyez quoi, les mecs? Et je fais 80 000 abonnés, hein. 80 800. J'ai du mal à les passer les 800. J'ai un jour, j'ai perdu 5. Ouais, on prend du 8. Enfin bon, on doit être à 800, pas loin. C'était pour il meuble super bien. Il perd le fil, voilà. Tout ça. Brest, c'est vraiment le bout du monde. Toujours pas reçu la batterie. Ah bah. Alors, la plupart, si je vous ai envoyé les tracking, c'est-à-dire que la marque m'a envoyé les tracking. Si je vous ai pas envoyé les tracking, ça veut dire que la marque ne m'a pas envoyé les tracking. Et certainement, je ne sais pas si vous avez oublié, mais. Alors, en fait, déjà, ils sont pas là. Hein. Déjà, ils sont pas là du 28 au 5. En espérant que la meuf revienne. Et si elle m'envoie les tracking, je vous les enverrai aussi. Ceux qui ont reçu les tracking, ils ont reçu tout ça de bien. Et tous ceux qui n'ont pas reçu les tracking, il faut attendre encore un peu. Voilà. J'ai vu une vidéo de cette cam vraiment bien. De la cam machin là, il y a un spoiler, ouais, enfin, il y a une bande annonce de cette caméra conférence et tout, et c'est quand même beaucoup plus sympa de la mettre sur l'écran, et puis ça permettra vraiment de la comparer avec la caméra. Ah, je vous rappelle, je filme quasiment toujours avec la vidéo du caméra du iMac, et j'ai pas tout le monde en disant je filme. Alors, certes, bon, il y a un petit éclairage là, tu vois, pour me rendre belle. Bon, il va falloir un peu plus, mais je filme juste avec la caméra du iMac, et c'est vrai que ce nouveau iMac 2022, enfin sur un produit Apple, il y a vraiment de très très bonnes caméras. Sur les MacBook Pro, c'est tout de la merde. Là, on a une belle caméra et ça permet, tu vois, de filmer. Et toutes mes vidéos que je fais où je filme ma voix et tout, je les fais avec celle-là et c'est vraiment propre. C'est du full HD et tout, c'est vraiment pas mal. Très petit micro-cravate et tout, rien de ma vie. Merci à Shadow pour les diamants, puisqu'ils sont éternels et que j'accepte ces 5 diamants. Voilà. Putain, la dernière fois, j'avais un joli petit sac de diamants. Hein. Le lendemain, je l'ai sorti, je crânais, j'ai rien, et tous les diamants qu'on m'a offert hier. Je vais être belle comme ça avec tous ces diamants. Pour mon week-end, Lady Boy. Voilà. C'est pas vrai, pas vrai. Faut attendre un mois avant qu'ils te les envoient et tout, enfin, c'est compliqué. Qu'est-ce que je veux dire on s'en bat les. Pas du tout. C'est quand l'anniversaire du roi Macron? Je suis pas sûr qu'il y ait un jour férié. Hein. Le 14 juillet.
Ils vont mixer les deux fêtes en même temps. Comme ça, non mais comme ça, quitte à être un roi, je vais prendre le 14 juillet, comme ça, on va se faire un petit défilé entre nous, là, sur les Champs-Élysées. Un truc discret, là. Tout ce qu'on a. sortez-moi tous les missiles à la Kim Jong-un. Pas mal. Moi, j'ai perdu 24. Waouh! Pas mal, oui, mais bon, ça, tu faisais 150 kilos, c'est vrai que de 150 kilos, et si normalement tu devais en faire 80-90, c'est vrai que les 25 premiers kilos, je vais dire, sont les plus faciles, mais généralement, ils partent relativement vite. Les mauvais kilos, déjà, t'enlèves toutes les mauvaises habitudes, comme moi, déjà, je faisais 89 kilos, maintenant, je fais 82,5 kilos. Les premiers trucs, j'ai enlevé toutes les mauvaises habitudes, c'est-à-dire les sodas, les gâteaux, les machins, les trucs, déjà, tout ce qui était dégueulasse, que je pensais que ça allait comme ça et tout. Putain, déjà, tu perds un ou deux kilos en quelques semaines, tranquille, sans rien faire. Voilà. Et après, bon, il y a un peu de sport, bien évidemment. Et après, il y a un peu, encore une fois, maîtriser son alimentation, tout ça, voilà. Il paraît qu'il y a la baisse, mais nous, on peut pas. On est frustrés avec Dimitri. Voilà, on a renoncé à ça. On a fait vœu de chasteté. On consacre notre vie à l'Internet et à YouTube. Béni soit-il. Trop de conneries. Trop de conneries. J'ai vu que tu as vu mon poste. Merci. La salle de sport. Bah oui, voilà. Encore une fois, il faut aussi faire du sport. Rester sur le canapé à regarder Eurosport, ça fait pas. Mais déjà, arrêter les mauvaises habitudes. 1. 2, contrôler son alimentation. Je veux dire, moi, je commence à manger des amandes et tout, tu vois. Fais attention, mange plutôt des salades et tout. Un Coca Light de temps en temps quand c'est la fête et tout. Et déjà, ça fait du bien. Et après, évidemment, un peu de sport, un peu de running ou un peu de tout ça. Je vois mon rameur. Putain, là-bas, j'ai pris. Alors là, vous le voyez pas parce que je mets un t-shirt pour rester un peu simple, tu vois. Mais j'ai pris des épaules de ouf. Je me regarde dans le miroir, je bande moi-même. Je me dis, ouh, j'ai pris des belles épaules, tu vois. Pas du tout. Ça sera coupé au montage. Et voilà, et ça c'est le rameur. Putain, c'est vachement bien, tu vois. Bon, encore les bras, j'ai un peu les bras qui partent en couille encore, mais ça va venir. Je suis à 76 maintenant. Oh, pas mal. Ah ouais, donc t'étais à 100 kilos en effet, ouais. Félicitations. Félicitations. Bienvenue au club des... J'ai été gros. .com. Ça ferait un très très bon nom de domaine pour un site de perte de poids. J'ai entendu dire que vous êtes réveillé par les corbeaux à Brest. Je ne surenchéris pas là-dessus, je ne connais pas Brest. Voilà. C'est quoi le délire avec OnePlus? Ils se sont fait bouffer par OnePlus. Alors OnePlus devait m'envoyer les nouveaux. Alors devait m'envoyer 3 téléphones avec AliExpress. Donc encore une fois le OnePlus 10, certainement il y a un OnePlus je sais plus quoi. Enfin il y en a deux qui sont dans les bacs et tout, et bon je pense que ça devait être celui-là. Et on devait avoir les 3. Et malheureusement, comme elle m'a expliqué, à cause des problèmes de Covid en Chine, c'est un bordel incroyable. À Shanghai, machin, toute la logistique, machin. Enfin, c'est, à Shanghai, vous aurez compris, c'est le bordel atomique. Mais c'est un peu le bordel partout. Et elle m'a dit non, le vendeur ne peut pas. Alors le problème, c'est que c'est le même vendeur qui m'a envoyé le OnePlus 10 qui est là. Donc c'est pas que ça fonctionne pas qu'il sait pas faire, c'est que quand il peut, il l'a envoyé, et que les 3 autres, et il est pas arrivé à me les envoyer, parce que déjà c'est depuis vers la Thaïlande, et voilà, problème de logistique, problème de tout ça, de gestion, les fêtes, machin, il a pas pu me les envoyer à temps, donc malheureusement pas de 3 OnePlus comparatifs, que peut-être même rémunérés et tout, enfin, l'histoire était trop belle, j'étais comme Tinder. Non, mais l'histoire était trop belle, donc ça pouvait pas, voilà, 3 téléphones, éventuellement un petit billet et tout, enfin, là, c'était le délire, voilà, c'était peut-être même un mensonge, tellement que c'était beau, mais voilà, après, elle m'a dit, non, mais c'est pas possible, avec le Covid, les machins, les trucs, on va pas le faire, voilà. Donc, malheureusement, non, et après, enfin, encore une fois, pour en revenir à Nothing, alors, je sais pas si vous avez vu ma dernière news, mais Nothing devait faire ça, son propre OS, comme Oxygène, comme machin, et en fait, c'est juste un pauvre launcher. Et un launcher, je rappelle, c'est juste un tout démarrage qui change un peu les icônes et tout. C'est même pas une ROM, quoi, c'est vraiment un launcher, c'est... Je vais pas dire que c'est le truc le plus bas de gamme, mais bon, voilà, faire un launcher, ça leur a pas coûté truc, parce que faire une ROM, c'est très compliqué, même une ROM custom et tout.
Donc là, ils ont préféré faire un launcher, ils ont mis des bruits complètement chelous et tout. Enfin, ça pue tellement la merde, son truc là, à Carl Pei, là, son histoire de téléphone, où tout le monde s'emballe en disant, ah, on va nous sortir un truc révolutionnaire, et ça va vraiment être, je vous dis, à cause des coûts, ça va vraiment être un Oppo avec certainement des caméras un peu bizarres. Mais moi, je ne m'attends à rien. Voilà. Le junk food, c'est pas bon pour les kilos. Alors attends, oh, j'ai peut-être loupé des commentaires, non, tout compte fait fort. Ça c'était bon. Ah oui, la junk food, c'est pas bon pour les kilos. C'est pour ça qu'il faut pas commander de box chez Candy-san. Candy-san, alors je regarde plus le mercredi. Avant, je trouvais ça sympa. Puis après, c'est plus du tout. Voilà, après, ça tire sur la longueur, ça meuble. Et puis, son équipe, j'y arrive pas. Je la regarde, je me dis, tu sais, puis ils deviennent de plus en plus pédants. Ils ont de plus en plus confiance dans la caméra, ils sont de plus en plus pédants. Oui, tu sais, les businessmen, ils t'expliquent le boulot, la vie et tout. Bon, voilà. Bon, les mecs, je suis désolé, mais bon, voilà. Pas encore, hein, dans un jour, mais là, ça va. Vous êtes juste employé, quoi. En même temps. Le bébé était prêt, le bébé était fait quand vous êtes arrivé, donc ça va. Donc j'accroche pas du tout, mais c'est vrai qu'à cause des frais de port, je crois qu'ils se sont fait défoncer. Il y a quasiment 25 balles de frais de port par box. Ce qui est beaucoup trop cher. Alors évidemment, ils en mettent plus dans les box, machin comme ça, mais je crois que la Candy-san box, elle a pris. Sur le package, ça a pris une blinde, quoi, pour acheter des. Soit c'est pour faire plaisir, t'as les moyens, tu reçois des cochonneries chimiques et tout, mais après, voilà, ça me paraît pas trop intéressant, et voilà. Donc c'est pour ça, achetez-la si vous avez les moyens, et sinon, ne l'achetez pas. Achetez-vous des diamants que vous pouvez m'offrir. Bien placé. Merci pour tes félicitations. Bah écoute, avec plaisir. Bah, je veux dire, quand on est... je veux dire, moi, je suis assez... toi, quand on me dit, oui, t'as bien décollé et tout, je fais, oui, tu sais, je suis content aussi, tu sais, je me dis, ouais, bah voilà, c'est... voilà. 89 kg, 82 kg 5. Là, les 2,5 derniers vont être compliqués. Hein. Même si je fais un peu des abdos et tout. Ah, j'ai changé un peu les abdos. Je fais, tu sais, je mets pas. Là, je fais la planche et tout. Là, c'est dur et tout. Mais là, les 2 derniers kilos 5, faudrait vraiment que j'arrête de vivre, quoi. Tu sais, hein. J'aime encore un peu manger de temps en temps et me faire plaisir. Ouais. Ah bon. C'était bien, hein. C'était bien fait. GLG, quel bilan tu fais après 5 mois de Twitch par rapport au live YouTube de l'époque? J'avais beaucoup plus de monde sur YouTube. J'avais beaucoup plus de super chat sur YouTube. Et je me demande si on va pas retourner sur YouTube ou au moins faire de la... Je sais pas, parce que, bon, vous êtes forcé de constater que vous êtes que 14, quoi. Et on avait quand même beaucoup plus... On prenait beaucoup plus de refs sur le live, et après, en mettant le live dessus, il y avait beaucoup plus de monde, quoi. Alors après, là, c'est sympa, c'est confidentiel et tout, il y a beaucoup moins de monde. Alors c'est sympa parce qu'on est entre nous. Mais il y a beaucoup moins de monde. Et le problème ne vient pas de moi, bien évidemment, puisque moi, et tout, je travaille chez Candy-san. Non, ça y est, j'ai trouvé ma tête de turc. Non, mais le problème, c'est que quand on regarde dans les stats de YouTube, on voit bien que la majorité d'entre vous, bah, vous n'êtes plus de la première fraîcheur, quoi. On est plus entre une audience, entre... Ma majorité, c'est plutôt entre 30 et 60 ans. Voilà, ma main audience, c'est-à-dire mon audience majoritaire. On est plutôt entre 30 et 60 ans. Déjà, on se voit que pour les pouces en l'air et les commentaires sur YouTube et les abonnements, c'est pas super facile. Mais là, après de dire à tous ces vieux, je me mets dedans, hein, parce que évidemment, on a l'audience qui tourne autour de son âge, hein, bien évidemment. Mais tous ces vieux, là, leur dire, il faut aller sur Twitch, créer un compte, machin, pour venir me voir. Les mecs, c'est beaucoup trop compliqué, tu vois, comme ça. Si en plus faut leur dire les abonnements, les diamants et mon cul sur la commode, ça ils l'auront retenu, mais le reste c'est pas trop leur truc. Donc beaucoup ne font pas l'effort en disant ouais bof ouais autant attendre que ce soit sur YouTube ou voilà. Donc l'émission, enfin le format, je pense qu'on est arrivé à un format qui est sympa en répondant aux commentaires, parlant un peu des news et en vous présentant les produits que j'ai reçus cette semaine et très sympathique et tout. Je sais que beaucoup le regardent et me m'encourage à continuer dans cette voie-là parce qu'il passe toujours un très bon moment et ça fait plaisir de vous faire passer un très bon moment.
Mais l'audience n'est pas là. Hein, je vous rappelez-vous, pendant un moment, papa, il faisait des trucs qui s'appelaient les go-to-fac. Il y avait 100 personnes en ligne et elle faisait 1000 vues tranquille, quoi, tu vois. Donc, malheureusement, l'audience n'est pas là. Dois-je continuer sur Twitch? Dois-je... Non, deux formats sur, hein, sur chacun, non. Mais dois-je continuer sur YouTube et après peut-être re-uploader sur Twitch ou continuer sur Twitch? Je sais pas. Mais l'idée me dirait que peut-être que j'aurais peut-être plus intérêt à les refaire sur GLG Vidéo pour redynamiser bien évidemment... Ken... Attends, qui c'est qui m'écrit? Voilà. Que... Ah bah écoute, Nostradamus, non Dimitri, demain c'est bon, je suis libre. Demain c'est bon, c'est tombé à l'eau, je suis libre demain, on peut sortir, mec. Hey mec, hey mec, on peut sortir demain. Voilà, donc soirée demain, resto à gogo. C'est le cas de dire. Bon, voilà, donc... Qu'est-ce que je... T'es où? Je sais plus. Voilà, donc pour Twitch. Ouais, tout mon Twitch... Voilà, je pense que le format, on aurait beaucoup plus de monde sur YouTube, parce qu'on a quand même déjà beaucoup plus d'abonnés, et que les mecs, par inadvertance, viendraient, on apparaîtrait dans les lives YouTube, donc forcément, on aurait des gens qui viendraient se perdre, tomberaient sur le format, qui diraient, ah, t'es sympa, qui viendraient poser des questions, des commentaires, éventuellement, ça diminuerait, on aurait certainement beaucoup plus de super chat et tout, voilà quoi, de Tipeee peut-être, un Tipeee Shadow, éventuellement. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je serais d'avis que, peut-être pas au mois de mai, puisqu'au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Mais au mois de juin, j'en fumerai bien. Mais au mois de juin, je retournerai bien sur YouTube. Pas de rime douteuse, s'il vous plaît, mesdames et mesdames. Alors, le bilan, ça c'est fait. Fred, c'est sûr que tu as fait pas mal de sport. Tu as plus de liberté pour manger. Bah c'est ça, après, il faut faire attention. Faire attention. C'est tout. C'est le plus important. Là. Alors, il se la donne comme personne au microphone chez Candy-san. Je sais pas, mais ouais, à chaque fois, il y en a déjà 2-3 que je peux pas. Physique, c'est physique, quoi. Tu les regardes, je peux pas les encadrer. Et ensuite, voilà, tu sais, le donneur de conseils dans le business et tout. Bon, voilà, oui, ouais, voilà. Bon, vous avez un bon boulot. Enfin, un bon boulot, je sais pas. Un boulot qui vous plaît, vous êtes au Japon. Mais bon, après, au-delà. L'expérience s'acquiert avec les années et je pense que c'est pas eux qui résolvent les problèmes. Ils croient qu'ils résolvent les problèmes parce qu'ils sont payés pour ça, mais malheureusement, voilà, c'est un peu plus le décider. On en est encore sur Brest. Bonjour à Jaune d'œuf aussi. Fred, effectivement, j'ai lu en diagonale, désolé. Oui, je comprends mieux. Alors, ok, d'accord, ça c'est bon. Shadow, bonjour. Fred. Je parlais de Greg, ok, Dak, ok. L'avantage du live Twitch versus YouTube, c'est qu'on n'a pas les rageux, lol. Oui, mais en même temps, ça se bannit aussi. Notre modérateur s'ennuie. Je veux dire, à part remettre les trucs pour lui, à part remettre les... Mais je crois qu'on peut gérer en plus YouTube Extreme Lab, ça se trouve les robots fonctionnent et tout, toi, voilà, il nous dira. Mais voilà, à part être là et relancer un peu les commentaires, des fois il me dit je m'ennuie, j'ai plus personne à bannir et tout, comme ça, il aime bien lui. Les brouteurs, les rageux, tout ça, il en a fait sa cible. Donc oui, voilà, puis après bah, les rageux c'est de l'audience aussi, hein. C'est des gens qui sont connectés, donc c'est plutôt pas mal. Il me manque, c'est ce que je suis en train de dire. Le modérateur viral, la modération virale, ouais, c'est ça. Cliquez rapidement là. Les mecs, dès qu'ils nous ont un mot de travers, bim, bloqué. Merci beaucoup à Shadow pour les 3 diamants qui font plaisir. Alors BZH a utilisé 5. Voilà, ok, alors j'en ai 3 de Shadow qui viennent juste d'arriver. Et ben, je suis loin, hein. C'est normal. Et voilà, je suis en train de dire BZH qu'on a mis 5 aussi, voilà. Donc pour l'instant, notre gagnant, c'est Shadow, avec 5 plus 3, 8. Voilà, donc BZH à 5, deuxième. Comment attiser le... comment attiser le... attiser. Non, j'ai rien d'autre à vous dire. Ok, oui. Pas facile de trouver la bonne stratégie de diffusion sur tes réseaux. C'est pas facile. Merci à BZH pour les 5 diamants qui viennent de compléter les 5 plus 5, 10, comparé aux 8 de Shadow. C'est gagné. Peut-être pas pour longtemps, mais c'est gagné. Oui, c'est ça.
Alors malheureusement, c'est que les 10 sets de Shadow prouvent que c'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il avait. Il n'a pas plus. J'y vois 17, je mets tout. Tapis. Je mets tout. 17 plus 10, 27. Ah, voilà, tapis. Tipeee, donc ça c'est bon, Shadow Tipeee, c'est clair. Shadow 9. Ça augmente tout doucement. Ah, maintenant, il faut commencer à compter, ça va être compliqué. Hein. 17 plus 9, voilà. Non, bah normalement, tu gagnes. Tu gagnes de bien. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, trouver le bon format, trouver le bon. Moi, je serais quand même d'avis de retourner sur YouTube. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'au mois de juin, je retournerai bien sur YouTube pour voir la différence. Au pire, on essaye au mois de juin de faire le mercredi. Ah, c'est décidé. Je vais trouver les idées moi-même. Moi, je serais d'avis qu'au mois de mai, on continue sur Twitch pour voir un peu les audiences et tout. Et au mois de juin, et merci à BZH pour les 12 diamants. Et au mois de juin, on fait le mercredi sur YouTube. Voilà. Et en replay sur Twitch. Parce que je peux uploader les vidéos aussi. Voilà. Et on voit un peu la différence d'audience. Si ça marche beaucoup mieux sur YouTube, voilà quoi. Et là, t'es en train de dire, ouais, c'est joué d'avance son histoire. Mais voilà, je veux dire, bon, après, je suis très content de vous retrouver. Mais bon, je suis aussi un peu là pour faire un peu d'audience. Après, de l'argent, malheureusement, je me suis un peu résigné à cette idée de faire de l'argent. On fait quelques diamants, malheureusement, les diamants sont pas au prix des diamants. Hein. Les diamants sont plus au prix des centimes, tu vois. Mais bon, voilà, après, ça dynamise le truc, c'est sympa, ça fait plaisir, et Tipeee, voilà. On verra ce que ça donne, vous me direz. Bon, il est 22h33, je vous mets une petite page de pub, et moi, je vais boire un coup. Et si vous avez le plaisir et l'honneur de voir la pub, et vous nous dites, hein, vous faites un message en disant qu'est-ce que vous avez eu comme pub, parce que comme vous êtes tous prime et... Oh ! Ah ouais ! Ah ouais, ça n'a pas la même couleur, là. Merci à Shadow pour les 200 diamants. Ça n'a pas la même couleur, là. C'était violet, ça a clignoté et tout. C'était beau, hein. ça claquait quand même, hein. Là... Si je fais pas exprès, je suis désolé. De l'eau de là-haut. On en est où la pub? 22, 23. Alors, est-ce que je vais trouver comment faire? Tac! Bon. 13, 12. Parce que s'il y en a quelques-uns par miracle qui ont vu de la pub, je ne voudrais pas leur enlever ce plaisir. Et je laisse donc la pub tourner. Ah oui, non, mais là, on a la fenêtre dans la fenêtre. Ah ouais, on a moi, la fenêtre dans la fenêtre. Dans la fenêtre, avec le décalage, normalement, après, on devrait me voir dans la fenêtre. Dans la fenêtre. Dans la fenêtre. Ah ouais. Merci à Shadow pour les 1000 diamants. Ah, c'est bon, ouais. Ouais, comme ça, au moins, plus personne ne se renchérira, on est tranquille. Et ça a de la gueule, quand même, hein, les diamants, comme ça et tout, ça claque. Merci beaucoup mon pote et ne te... C'est pour ça qu'il est tout maigre, il n'y a plus d'argent. Oh, mais dis donc, il n'y aurait pas eu un petit Tipeee. Merci à Sébastien Paulet pour son petit Tipeee. Ah oui, on peut faire aussi du Tipeee. C'est pour ça qu'il est tout maigre Shadow, il dépense tout dans le super chat. Il n'a plus d'argent pour acheter du blé, du crâne. Voilà, compris la blague. J'ai fait une petite blague dans le... Quelques petites blagues, des petites dédicaces dans le Gravastar. Voilà, normalement vous devrez petites dédicaces comme ça, petites punchlines, vous devriez les avoir. Bon, les produits de cette semaine. Donc j'ai reçu le ID. Alors en fait, elle m'a dit qu'elle devait m'envoyer le ID Max. La fois, elle m'écrit. Alors on avait fait la review du ID. La vidéo est à peine en ligne. Elle me dit tiens, Coco, bel oeil. Comme ça qu'on m'appelle. Dans les clubs. Elle me dit Coco, bel oeil. Pas du tout. Bon, elle me dit Coco. Non, elle me dit GLG. Elle me dit, vous voulez pas? Ça vous dirait de tester le nouveau ID Max? Alors déjà, je regarde si je l'ai pas déjà fait, parce que c'est un peu leur spécialité, tu sais. Je dis, bah non, elle me dit, bah, mais je vous l'envoie review. Un de plus pour ma collection. Et je reçois le truc, et j'ai pas reçu le ID Max, j'ai reçu le ID Vac Station. Donc la boîte, elle est comme as, j'ouvre, là, je regarde, je dis, mais c'est pas du tout ce qu'elle m'avait envoyé, c'est quoi? Je regarde, c'est le ID Vac Station. Ok, donc là, pas de panique. Je n'écris pas pour dire, hey, connasse, tu t'es trompé. Maintenant, j'ai compris de mes erreurs. Puisque le ID station est simplement le ID max, bien évidemment, avec la station. Point barre. Voilà. Donc, c'est encore mieux. C'est mieux que bien. La fois, je sais plus si m'a fait la remarque. Il y avait, oui, Roborock.
Moi, j'avais eu le Roborock et c'est moins, moins. Le spécialiste des Chinois, spécialiste des produits chinois AliExpress, lui, il a reçu le Roborock et la station. Et là, ils m'ont dit, en commentaire, il me dit, oh, t'as pas eu la station, toi. J'ai dit, non, j'ai pas eu la station. Et bien, pour le Max, j'ai eu la station. Voilà. C'est juste pour crâner. Voilà, j'ai eu la station. Point barre. Je vous remets les liens des produits. Si vous voulez aller voir, cliquer, acheter. Casa, toujours pimpant. Oui, mais j'espère qu'il y en a qui ont la ref, hein. Balayer, astiquer, Casa, toujours pimpant. Là, je pense que vous êtes assez vieux pour l'avoir. Oh, merci à Mikado, qui vient juste de s'abonner avec Prime pendant 5 mois. Oui. Balayer, astiquer. Non, balayer, astiquer, Casa toujours pimpant, mon amour, comme toujours, nanana. On aurait même plus le droit de dire ça comme ça, parce que je veux dire, en plus je crois que c'était, elle était afro elle, tu vois, parce qu'on a plus le droit de dire noir, elle était afro, une afro qui dit balayer, astiquer, je veux dire, ouais, c'est comme tu disais, Conchita parce que le ménage, encore les portugais, ça pourrait passer, mais il y a des blagues qu'on a plus le droit de faire. Donc, alors, il y a le Ini Vacstation, donc ça fait partie des premiers produits. Bon, rien de ouf, mais bon, 500 balles quand même, hein, le délire. 500 balles, la blague. Papa, il prend. Ensuite, j'ai reçu hier le Blackview BV 8800. Comment ça devient compliqué les noms. Il est pas trop mal. Alors, petit score en toutou de bien. De score en toutou, 300, parce qu'il a un Dimensity... C'est pas du tout un G96 qu'il y a dedans, parce qu'il est 5G. Donc c'est pas la bonne fiche. C'est pas possible, monsieur. Il peut pas être... parce qu'il me dit c'est le premier 5G. Et le G96, il est pas du tout 5G. Donc la fiche est pas bonne. Attends, pourquoi il y a pas de truc, là. Standard, couleur black, non. C'est pas celui-là. D'accord. Ah, parce qu'il sort fin de mois. D'accord. Il sort fin du mois. Donc là, c'est les fiches de précommande qui sont un peu des fiches de merde, en gros. Parce que c'est pas du tout ça. Sur le téléphone... Petit score en toutou, mon pote, de 340... J'arrive pas à lire à l'envers. 348 000. Je suis désolé, mais c'est pas dégueu pour un téléphone de compétition comme ça. Et dedans, le processeur, c'est un Dimensity 700. Putain, je vois plus rien. Voilà. C'est un Dimensity 700. Personne ne voit rien. Comme ça au moins. Donc c'est un Dimensity 700, c'est pas mal. Et comme elle me disait, parce qu'au début elle me dit oui, on veut vous l'envoyer, truc. Ouais, ouais, bah tu payes. Oui, mais bah alors attention, c'est le premier en 5G. Votre audience, elle va kiffer et tout. Je dis, ouais, tu vas kiffer de payer, ouais. Non, cerise. Et voilà, donc elle m'a envoyé. Il est pas mal au niveau des photos, c'est pas dégueu. Grosse stabilisation à l'arrière pour la vidéo, c'est pas mal. Il a l'air assez sympathique. Bon, je sais pas s'il va valoir 300 balles, mais le téléphone est plutôt bien. Alors, encore une fois, c'est pas du tout un G96. Hein, ça sera plutôt... Mais je crois qu'il sort. Alors, attends. Le Blackview BV8800 ne sort pas avant le 22 mai. Voilà. Donc, pour ça que je pense qu'on l'a vraiment eu avant tout le monde et que la fiche ne correspond à rien. Voilà. Un bon à rien. J'ai fait une blague, je crois qu'on a plus le droit de faire des blagues comme ça, avec des ariens et trucs comme ça. Même une blague un peu rigolote, on a plus, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu également le Ulefone. Alors, le Ulefone Armor 14 Pro. Bon, en fait, pas si mal que ça. Alors, malheureusement, lui, il n'est pas 5G du tout. Hein. Vous n'aurez pas de 5G sur celui-là. J'ai eu le pack famille avec... je sais pas si je l'ai fait la semaine dernière. J'ai eu le pack famille avec la coque... Tu vois, pour remettre en ceinture, un bon truc bien dégueulasse. Un bon truc que tu mets à la ceinture bien épais, bien large, où tu mets le téléphone par-dessus. Le chargeur induction, même si j'ai retrouvé le mien en transparent, vous verrez ça avec les écouteurs One More, qui sont aussi avec un boîtier induction. Il est pas trop mal, voilà. Après, bon, j'ai fait en toutou, pas de ouf, mais... Et puis j'ai mis dans la boîte, voilà. J'ai déchargé tous mes trucs. 8 plus 128, chargeur sans fil 15 watts, Touch ID, caméra 20 millions de pixels à l'arrière. Ah, je crois que le Blackview, il a une caméra vision de nuit aussi. J'ai vu ça, j'ai fait un petit test vite fait comme ça. Bon, mais c'est pas les téléphones de... C'est pas les 3 nouveaux OnePlus, même si... Bon, malheureusement, le problème des OnePlus, c'est que vous êtes quand même assez tous d'accord en disant... 1000 balles, quoi. Putain, 1000 balles. 1000 balles les OnePlus, quoi. Tu sais, voilà, ça reste un OnePlus. Très bien, mais quand même un petit peu cher. Donc j'attends le Oukitel. Donc ça fera Ulefone, Blackview et Oukitel. Et après, bon, on attendra certainement Dougie, comme il parle déjà du S98 Pro.
Je pense qu'on devrait l'avoir dans la foulée aussi. Alors, faut attendre qu'ils reviennent, qu'elles me disent nanana, parce que là, on a fait déjà la news. On est déjà en deal avec eux pour publier 10 de leurs prochaines news, donc on a déjà mis une. Donc on aura vraiment les news en avance. Et je pense que quand il y aura du téléphone, elle nous l'enverra aussi. Voilà. Donc Doogie, revenu dans le cheptel, Ulefone aussi, ou Kittel. Blackview, c'est la nouvelle, donc apparemment, voilà, elle est plus gentille. Hein. Elle sort, elle descend de l'arbre. Elle vient de tomber de son arbre. Cerise, bien évidemment, la blague, vous ne voyez aucune allusion. Donc ça fait quatre marques de des Chinois qui sont très très bien. Voilà. Et pas de nouvelles de. Non, j'aimerais bien avoir Humidigi. J'aimerais bien qu'elle me recontacte Humidigi. Hey Humidigi, si tu m'entends, tu peux me faire un petit mail pour m'envoyer tes téléphones. Certes, ils sont pas tous terribles, mais si tu es prêt à payer, je ferai la review. Pas mieux faire. pas mieux faire hein, que la prière. Ça arrive, voilà un peu. Donc, j'ai reçu que trois produits. Bah oui, pour 5 mai, machin, plein de personnes veut livrer quoi. Voilà, trottinette, j'ai pas encore déballé l'ancienne. je suis en train de casser les couilles à Caramoule avec leur. J'ai même pas déballé l'ancienne. Non, mais j'ai même pas fait. Oh, faut que je fasse la batterie pour dimanche pour WTS et tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est tout. Donc ça, et j'attends plein de trucs en fait, mais je me rappelle plus. Je les reçois, puis après voilà. Non, mais cette semaine, il y a quoi? Ce mois-ci, attends, il y a quoi? Le 5, faut que j'envoie le draft de Recovery It, c'est bon, c'est fait. Le draft de One More, le 8, c'est fait. Donc la review du One More, lancement le 11, 169 dollars, pas cher, enfin un peu cher. Le 15, normalement, je dois faire Dr. Phone sous Windows. Mais il faut que je... Donc du coup, il faut que je mette en route le Windows sous Geekom. Le Geekom, c'est pour le 18, ok. Le Blackview, c'est le 22. Et la Imilab EC5 que je vous ai présenté dernièrement, c'est le 23. Donc le mois commence pas mal. Le mois commence bien, où j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 vidéos déjà prévues sur les 10 que je dois faire par mois pour survivre. Il y a déjà 5 qui sont bookés. Bon, le problème, c'est qu'ils sont déjà payés, que voilà, maintenant, on a déjà dépensé l'argent. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois qu'il y avait un truc avec marqué Tipeee, voilà. Donc voilà, les reviews à venir, moi en cours, et j'attends plein de trucs. Mais encore une fois, je pense, de plus en plus, je vais mettre des vidéos sur Instagram, puisque chaque post, quand je mets un post sur Instagram, je fais 10 likes. À tout péter, hein, mais vraiment à tout péter, je fais 10 likes. Je fais une vidéo, je fais 200, 300, 400 vues en 24 heures. Voilà, c'est tout. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vignettes, qui est bien, mais personne like, tout le monde s'en bat les couilles, quoi, toi. Donc, au moins une vidéo, je vois combien j'ai eu de vues, et des fois, j'ai même des commentaires et tout. Donc, je vais essayer de vous faire de plus en plus de petites vidéos comme ça. Il y aura toujours des photos de temps en temps, mais des petites vidéos comme ça, shot, je suis en train de faire un hop, hein, manger ça, boire ça. Voilà, ça permet de faire un peu de temps réel, et au moins, elle reste 24 heures après, elle dégage et tout, et comme ça, ceux qui m'espionnent, je vois votre nom, parce que je regarde après, 200, 300, c'est pas très long, je regarde les pseudos et tout comme ça, je dis, ah, t'es là, toi, machin, gêne, là, t'es, exprime, next gen tricks, bah maintenant, ils me regardent, je suis sur Instagram, voilà. Alors, je suis fier, un peu, mais voilà. Non, mais, je vois des pseudos un peu, voilà, je me dis, ah, il me suit, lui. Ah ouais, ah pourquoi pas. Un petit Tipeee, donc ça c'est fait. Fred, c'est clair, voilà. Buggy Noob. Bonjour, mon ami Bug. coucou, grand marabout. Prends soin de toi. Et c'est important. Écoute, avec plaisir, mon pote. Content que tu aies pris le temps de passer, parce que je pense que peut-être que tu travailles, ou alors ou pas, que tu aies pu passer nous voir. Encore une fois, ça fait plaisir. Attends. Tu n'as pas lu ce que j'ai marqué sur le petit changement de nom. Et non, ça ne fonctionne pas. D'accord, ça fonctionne pas sur... À mon avis, tu parles de YouTube, et malheureusement, non, je n'ai pas lu. Si tu le remets, je lirai. Lirai. Voilà. Avec la lire, évidemment. La monnaie italienne, bien évidemment. Moi, j'ai connu la lire. 500 lire, ça faisait... Je sais plus combien. Je crois que sur les pièces de 500 lire, on les mettait dans les distributeurs de bonbons de, qui étaient les pièces de 1 ou 2 euros, je crois. Ou 2 francs. Non, c'était les francs à l'époque. Ne me rajeunis pas tout ça. Voilà. Bon, merci à BZH pour les diamants. On est trop sympa. Shadow se languit des bannes. C'est ça. Ben ouais, non, mais on avait quand même mis pas mal de modos et tout. Tiens, prends ça.
ça. Alors, ta cerise t'a envoyé un autre contrat. Alors, on reparle de la cerise de... Alors, il y a une meuf qui m'a proposé une nouvelle hotte sans rien. C'est juste un truc que tu mets au plafond, ça aspire les particules, il y a les filtres dedans, mais il n'y a rien qui s'échappe. Elle m'avait envoyé un contrat de psychopathe en disant... voilà, donc bon, tu fais le truc, on te paye, peut-être. T'as pas le droit de travailler avec la concurrence pendant toute la durée du truc. Sinon, on annule le paiement. La vidéo, c'est à nous, hein. Ta vidéo que tu fais, là, c'est à nous. On a le droit photo, vidéo, tout, on a le droit de tout. Quel contrat était... Le contrat était rock'n'roll, là. Donc, je lui avais écrit en disant, ça va pas être possible. J'ai dit, non, il y a trop de conditions, machin et tout. Voilà, non, merci. Au revoir. Elle me réécrit le lendemain, et je crois que j'étais avec... Kazalov et je regarde et ça y est, ah bah là, elle me dit non mais en fait le contrat c'est juste comme ça, on peut tout enlever les conditions, ça nous va très bien vos conditions, on peut payer 50% d'avance, 50% quand on a le draft au lieu de rien, tu vois, enfin au lieu de presque rien, enfin presque rien une fois si tu fais la vidéo, et encore si t'as bien fait, tu vois. Oui, voilà. Et puis après, en y réfléchissant, je lui fais un mail, je suis désolé, on va pas pouvoir travailler ensemble, parce que déjà, j'avais accepté, je sais pas pourquoi. J'en ai rien à branler de son truc, quoi. Fallait le faire installer, machin, truc. Enfin bon, voilà, j'ai pas, je sais pas où, comment. Voilà, ça m'angoissait plus qu'autre chose, et après, trop contraignant. Je dis non, mais je suis désolé, madame, on prend pas. Voilà. Bon, on travaille pas avec vous sur ce projet-là. Merci, au revoir. Faire enculer avec du gravier et on n'en parle plus. Voilà. Non, mais voilà, après, au bout d'un moment, je veux dire, bon, ça va du boulot, maintenant, c'est pas comme si j'ai. Fallait que je cours après une review, on en a pas mal, tu vois. En plus, on va avoir IVC VPS ce mois-ci, comme tous les mois. Et je crois, oui, bah, on a Wondershare là, qui va faire la vidéo de Recover It. Elle est prête, elle est dans la boîte. Et elle veut une avec Dr. Phone sous Windows. Et on aura IVC VPN. Ça fait déjà 3 sur 10, plus tous les animaux de la forêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière, là, qui attend, fais-moi. Si je parle derrière le fond vert, vous ne voyez plus, c'est normal. Geekops, il y a toujours le chargeur de la mort qui tue là. Ah oui, il y a toujours le chargeur de la mort qui tue avec les prises avec la prise HDMI. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai noté, attends, il y a les Hailu, la Hailu RS4, bien évidemment. Hailu RS4, il a payé, il m'a dit faites la vidéo, on la mettra bientôt. Voilà. La trottinette, les montres Sigoul, bon, on n'y croit plus, hein, mais voilà, quoi, elles sont toujours là. Et j'ai TP-Link. Leur caméra TP-Link, pareil, ils ont payé virement bancaire depuis la France, c'était un truc incroyable. Et, et voilà, et j'ai toujours la TP-Link, donc voilà, de la review, ça va. Et des trucs sympas, pas des hôtes magiques. Hein. Ta gueule, c'est magique, voilà. Vous savez comment ça marche? Ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est comme c'est la réponse, comme dans les films. Non, mais c'est pas possible, ta gueule, c'est magique. Voilà, on peut... Voilà, trop bien. D'ailleurs, Bogdanov, là, si t'es là en ligne... Oui, je sais. Je cherche à chaque fois un truc différent. T'es en train de te dire. À chaque fois, je cherche un truc différent, tu vois, pour essayer de la blague. On n'irait pas voir Doctor Strange demain? Comme ça, de toi à moi, en amoureux? Enfin, en guerre, en mode guerre. Plutôt. Parce qu'il y a... alors, malheureusement, tu parles un peu anglais, mais voilà, il y a quand même Doctor Strange qui est sorti et disponible en Thaïlande. Moi, j'irais bien voir Doctor Strange au cinéma. Voilà. Tu me diras ce que t'en penseras, mais... voilà, c'est tout. Docteur... Suc m'a dit. J'étais en train de... C'est, il y aura plus Suc ma queue, un truc comme ça, mais non, pas du tout. Suc m'a dit, bonjour à toi, ami nouveau. 18, ouais, il n'y aurait pas un peu du monde aujourd'hui, ce soir. Beaucoup plus de monde que la dernière fois. Faut tester pour voir si ça marche mieux sur YouTube. Je pense qu'au mois de juin, on essaiera le mercredi de le faire sur YouTube. Alors ne me dites pas, ah, mais YouTube, Michel. Attends, vous êtes tous abonnés sur YouTube, ça va rien changer à votre vie, c'est le même format pour moi, si ce n'est qu'au lieu d'uploader sur Twitch, j'upload sur YouTube. Et qu'au lieu d'avoir le chat de Twitch, j'aurai le chat de YouTube. D'ailleurs, ça va pas te faire un deuxième trou de revolver, hein, cette histoire. 500, alors ça c'est les diamants, ok. J'ai vu une pub pour Candy San. Celle-là elle est bonne. Ça c'est drôle. moi ça me fait marrer. Voilà, après, voilà. Ça sert à rien la pub, on est tous abonnés. Oui, bah, et après il l'a vu. Non, personne ne l'a vu. Je sais pas, on écoute, on la met, et on met ça là, et puis après, chacun fait ce qu'il veut.
Alors, merci à 1000, comme ça rattrape ça. Ça donne mal à la tête, la picture, une picture, une picture. J'arrête, ça saoule. Le détail du détail. Inception. Le rêve dans le rêve dans le rêve. Ouh là là, attention, je sors ma toupie. Ah mais il faut quelques refs les mecs, hein, là, je veux dire, si vous n'avez pas 2-3 refs dans le cinématographie, ça va pas tout, tout super facile. Voilà. Hein, on peut pas toujours faire des blagues sur Starsky Hutch et Scooby-Doo. Hein. Faut aussi que. Voilà. Bon, c'est moi qui ai mis le téléphone. Merci à BZH pour les 5 diamants. Merci beaucoup. Je les prends, je les mettrai dans mon petit sac demain et j'irai au cinéma voir Doctor Strange avec mon petit sac de diamants. Voilà, c'est tout. Et après, j'irai draguer parce que, avec tous mes diamants là, je veux dire, nickel. Ou alors, en mode Ladyboy, c'est moi qui vais me faire draguer et là, ça va mal se passer. Bon, merci à Mikado pour l'abonnement. Salut, c'est que du Prime, mais je peux pas me fier. Bah écoute, c'est bien, ça passe aussi. Merci à. Alors, ah non, oula, non, c'est de l'offrage. C'est de l'offrage. Merci à Shadow d'avoir offert un abonnement niveau 1 à Framblux. Voilà. Et merci encore une fois à Shadow d'avoir offert un abonnement niveau 1 à Jim38. C'est-à-dire que le mec, il vient, il modère, il donne 1000 diamants et il offre des abonnements. Moi, j'ai envie de dire, Sando, t'aurais dû le garder, Shadow. T'as été un peu mauvais sur ce coup-là. C'est un bon petit gars. Hop. Pas parce qu'il fait des cadeaux, mais bon voilà, le mec il modère et il offre des abonnements et il offre des diamants. Je veux dire, il est bénévole. Je veux dire, on va le garder encore un peu. N'en pensez quoi? Je pense que on va renouveler ton contrat sur YouTube. Ton contrat bénévole. Ton contrat. Écoute, Shadow, bonne nouvelle, ton contrat bénévole est renouvelé pour notre nouveau projet sur YouTube le mois prochain. Qui est exactement la même chose, mais sur YouTube, et tu seras toujours aussi bénévole. Yeah! Ouais, je sais, c'est la fête. C'est pour te féliciter de ta perte de poids. Y a rien qui va. Il y en a 2-3 qui cherchent, ils comprennent pas. Y a rien qui va. C'est tout du flanc. Une heure comme ça? Ouais. Ouais, je sais. Mais après, je suis fatigué quand même, faut pas. Il y a dire autant de conneries, demande à Fred et il sait qu'au bout d'un moment, voilà, ça fatigue. Michael aussi, toi, au bout d'un moment, bon, l'accumulation, comme ça, il faut décompresser après. JJ, bonjour, mort de rire, JJ. JJ, la Moroni. Non, c'était Gigi, bien évidemment. Mais en américain, ça passait. Gigi, oui, parce que le G, le G, ça dit G, I, Gigi. Marita, Gigi, la Moroni. C'est bon, tu l'as ou pas? Bah, normalement, t'es assez vieux, oui. Sinon, cherche. Voilà. Bon, Alors. C'est ce que j'ai sur mon Poco X3. Pas mal niveau perf, 350 000. Ouais, c'est pas mal. Enfin, d'ailleurs, tu vois, un téléphone, bon, Blackview, voilà, tu t'attends pas. Je m'attendais pas à grand chose, en gros, tu vois. Je vais arriver, je fais, voilà, génial. Ouais, quand même, voilà, je fais l'entoutou, je m'attendais à 200 000, 350 000, ah ouais, bah oui, forcément, il y a un processeur 5G, et comme un processeur 5G, il n'y a pas de merde pour l'instant, ils sont obligés de mettre des bons processeurs, 350 000 pour un Blackview, c'est tout propre. Merci à Shadow d'avoir offert un abonnement à Gigi. Gigi, qui vient pour la première fois, et qui repart quand même avec un abonnement Prime. Ça fait plaisir, t'as bien fait de venir, Gigi. Oh, mais Gigi là, voilà. Bon, Fred, j'ai un Exynos perso équivalent d'un Thingwon 880. D'accord, sympa. Shadow, je remets le message. Je gère mes plats. Alors, tu vis ce que je mange, quantité que je dépasse pas, etc. J'ai pas du vérite, plus de fast-food. Un Subway de temps en temps, mais oui, le Subway vegan qui fait pas prendre de poids, de l'eau gazeuse, Nam Soda, oui, on est d'accord, style Perrier, et surtout, 3 fois par semaine, du sport à la salle de sport. Eh ben, écoute, félicitations, tu as le combo parfait pour devenir beau gosse en mode marabout. Marabout gosse. Le marabout gosse. Tada ! C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Toi aussi, deviens marabout gosse.
en buvant du Perrier et avec un Subway par mois. Bon, revenons-en à nos conneries. Mais ZH, le gras, c'est la vie. Oui, non, on en parlait avec Popov cet après-midi, et c'est vrai que... voilà. J'ai trouvé une bonne punchline sur le gras, là, j'ai oublié. Sur le coup, elle était trop bien. Voilà. Et après, pas trop. Ça va être très agréable, du gravier. Ah ouais, mais au moins, elle s'en rappellera. C'est comme quoi, hein, petit délit, toi, ça passera par là, mais ça restera dans la mémoire. Donc comme quoi, il doit bien y avoir une connexion entre les deux. D'ailleurs, il y avait bien une histoire comme ça qui disait que la preuve, c'est quand tu te tires un poil du cul, t'as les yeux qui pleurent. Voilà. Donc c'est bien la preuve que, tu vois, il y a une connexion. Bon, enchaînons. Je peux partir un peu loin. Sinon, Alissa. Ramsès. Merci au radiateur encore. Le radiateur encore banni. C'est rigolo comme pseudo. Je vois pas. Pas par Shadow. Shadow, il t'a pas encore banni. Peut-être. Avec un peu d'effort, il peut te bannir aussi. Il a banni personne depuis très longtemps. Il est un peu en manque. Moi aussi, je vais voir Doctor Strange 2. Bah ouais, ça me chauffe bien, Gigi. Bah, je pense pas que tu sois à Pattaya. Mais ouais, demain, d'aller voir ça. Ou à moins que Gigi. Ah, à moins que Gigi soit Ivanov. Et qui ait changé de pseudo. Voilà. ou pas. Stanley, ah non, voilà. Oui, ce sera plus simple, le live sur YouTube. Tu seras encore plus beau. Tu sais, il arrive un moment où c'est difficile. Tu vois, comme dirait, au-dessus, c'est le soleil qui t'éblouit. Tu ne vois plus la beauté. Ah, et la modestie non plus. Bon, faut tester un volontaire. Un volontaire pour le bannissage. Notech a l'air de dire que Twitch va vachement mieux que YouTube pour les lives. Qu'en penses-tu? De mon côté, en tant que viewer, je préfère quand même YouTube, même si les petits gadgets de Twitch. Alors oui, mais en même temps, c'est vrai que si on utilise Streamlabs, je pense qu'on peut retrouver des trucs à peu près sympas, comme le nombre de viewers et tout, avoir les plugins qu'on peut avoir sur YouTube. Mais je pense que lui, son format, oui, est surtout bien adapté parce qu'il le monétise surtout. Il le monétise et qu'il préfère Twitch et qu'il fait un live et que sa communauté l'a relativement facilement suivi parce que c'est une espèce de petit bobo de Paris qui gère super bien. Moi, j'ai du vieux frustré qui veut pas m'aller sur Twitch et j'ai beaucoup de mal à ramener. Donc, moi, je pense que comme tous les commentaires que j'ai là, c'est, je pense que au mois de juin, fais ce qu'il te plaît. Non, c'était au mois de mai. Donc, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Pour le mois de juin, j'en prendrai bien. Non, et au mois de juin, on fera un test le mercredi sur YouTube. On vérifiera et on comparera les audiences et on verra ce qui est le plus profitable et bénéfique à la prospérité du marabout. C'est beau, putain. Merci à BZH pour les... Ouh, tout ça. Avec ça, je vais avoir de la chance. Pas moi. Shadow. Alors, on va offrir un abonnement. Shadow vient d'offrir des abonnements. Shadow a offert les abonnements. Shadow. On ne voit que lui. Pas moi. Celui qui n'a rien dit sera... désigné d'office. Oh, ok. Bah, pour le balisage, aha, ok. Deal, ok. Enfin, je peux assister à un nouveau live Twitch. C'est mon deuxième, car chaque fois, je travaille. Eh ben écoute, profites-en bien, le mois prochain, on passe sur YouTube. Si avec ça, on n'arrive pas à défoncer l'audience, à force de changer de concept et changer de chaîne, on est là pour tester des choses. Beaucoup ont dit du mal de moi, parce que j'ai testé beaucoup de choses. Mais beaucoup d'autres ont copié ce qui marchait bien. C'est-à-dire que, oh, c'est trop de trucs, toujours en train de changer, tu vois. Ça marche bien, on va faire pareil. Donc, la morale de cette histoire, s'il devait en avoir une, c'est qu'ils avaient tous ce parents. Non, on n'a pas dit ça. Non, on est paix, prospérité, tout ça, quoi. Bouddha, paix, prospérité, tout bien. Nouveau sub de JJ offert par Shadow, ça c'est bon, Shadow... Tout le monde le dit, en effet, j'avoue perso ne pas être convaincu. Oui, que Twitch, bah, ils sont convaincus parce que c'est beaucoup plus rentable. Quand tu as une bonne communauté, c'est beaucoup plus rentable Twitch, puisque regarde, nous, je sais plus comment on a fait un stage la dernière fois, j'ai fait 40$, je crois, en un mois, alors qu'il y a 14 personnes et on fait 100 ou 200 vues. Donc, au prorata, on fait beaucoup plus d'argent sur Twitch.
T'as certainement. Donc forcément, si t'as une plus grosse communauté qui te suit, à mon avis, financièrement, ça doit être beaucoup, beaucoup plus intéressant que YouTube. Voilà. Mais comme je fais partie de ceux qui, pour l'instant, ben, c'est pas la fête. Je préférerais, tu vois, je préférerais même rien gagner sur YouTube, mais avoir plus de monde. Tu vois, alors plus de monde, plus de réactions, tout comme ça. J'aime dire pas lire les commentaires là, mais ben, voilà, un peu plus de dynamique et de savoir qu'il y a plus de monde. Et après, relancer les marques et faire gagner des trucs, tu vois, ça serait une bonne dynamique. Quitte même à gagner quelques super chats et quelques Tipeee. Mais voilà, c'est pas une question d'argent. J'en ai plein, je sais plus quoi en faire. T'imagines, je me suis fait 1200 diamants là, de cette soirée. Au cours du diamant, une blinde. Il dit. Bon, c'était une visite éclair. Je dois partir. Bonne fin de live à vous. Bah écoute, en espérant que tu viennes pour le replay. Salutations du radiateur. Shadow me banne pas. Hein. pas de bavure policière. Pas de bavure modéraire, évidemment. Bon, bienvenue. Je blâme uniquement si nécessaire. Ça, c'est bon. Bienvenue sur le live de GLG. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas votre poule. Oh, c'est joli ça, ce petit message automatique. T'inquiète, tu n'auras pas besoin. Ok. Non, il est gentil, radiateur. C'est rigolo ça. C'est un gentil radiateur. Voilà. Il fonctionne pas au gaz, apparemment. Twitch, je pense que ça va couler en vrai. Tu peux pas faire de live sur les deux simultanés. Alors oui. Mais malheureusement, je peux pas gérer les deux chats. Déjà, un, on voit qu'il est quand même 22h chez moi et je viens juste de finir le premier chat. Si j'ai deux chats, ça va être trop le bordel. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai deux fenêtres. Imagine, vous vous rendez pas compte ce que c'est de faire le truc et de reprendre un peu le chat et d'essayer quand même de garder mon fil avec présenter les reviews et de boire et de me gratter les couilles en même temps et tout. Et si en plus, il faut que je gère deux chats. J'ai essayé une fois, mais bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, après, c'est très compliqué. Je viens de comprendre ma blague. Il est trop naturel, cet homme-là. Voilà. Donc, elle était trop bien. Elle était trop bien, cette blague. Je suis même étonné. Oui, bah oui, ça pointe. Que ça doit moi. De moi, de la blague, voilà. Bon, revenons-en à... Non, après, c'est trop compliqué de gérer deux chats et tout. Alors, soit on fait que YouTube et on désactive le chat de Twitch. Donc ça, il y aura que sur la rediffusion sur Twitch, mais il n'y aura pas de chat. C'est pas jouable. Soit on fait un, soit on fait bien. Voilà. Bon. Nouveau boulot de... Alors, attends. L'admirateur a suivi. Ok, donc là, c'est bon. Fred, je pensais que je pouvais centraliser les messages dans une seule interface et répondre. Non, alors deux plateformes complètement différentes. Je pourrais mettre les deux fenêtres sur l'écran, mais ça serait un bordel atomique. On pourrait pas savoir qui, quoi, comment, d'où, Dev ou d'Adam, quoi. Tu vois, tout ça. Donc, tu vois, l'histoire remonte super loin, tu vois, bien avant les dinosaures. Donc, non. Donc, malheureusement, on peut uploader sur les deux en même temps, mais ça va être le bon modèle. Bon, les fanfans, ça sera tout pour aujourd'hui. Ah, mais je suis en train de me rendre compte. C'est pour ça que j'avais pas YouTube, parce que je suis pas sur le bon compte. Mais bon, après, ça, on s'en bat les couilles. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je connais pas. Ben voilà. Tu connais maintenant. Moi, je connais pas trop non plus, mais tu vois, j'apprends. Voilà. Ça sera tout pour ce petit live du mercredi 4 mai. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. Moi, j'ai beaucoup ri de mes blagues. Je suis ma meilleure audience, je rigole de mes blagues et tout, c'est ça. Heureusement, on est plein dans ma tête et tout. Voilà, c'est un bon moment avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Mais Facebook Gaming fait peur à Twitch parce qu'on voit vraiment ils grandissent. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est encore une fois dans le gaming, encore une fois, c'est pas la même audience, c'est pas la même la clientèle et tout comme ça, mais voilà, c'est encore plus difficile. Voilà, bon, allez, moi je vous remercie de passer me voir, ça fait plaisir, c'est à tous une bonne soirée. Bien évidemment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouvert. Merci à notre modérateur, merci à tous ces diamants qui sont tombés là-bas. Demain, je me les mets dans un petit sac et je vais crâner avec mes petits, dans Pattaya avec tous mes diamants là. Merci au Tipeee également qui est tombé de Sébastien. Merci à votre participation dans le chat. Merci aux nouveaux. Merci à Shadow d'avoir offert des abonnements Prime, tout ça. Bon, encore une fois, vous êtes la force de cette histoire-là et on se retrouve mercredi prochain. Et encore une fois, oui, je pense que le mois prochain, essaiera sur YouTube pour comparer un peu la différence des stats et comment la vidéo prenne, puisque je trouve que ce format il est bien, il est dynamique, on s'ennuie pas.
quelques petites blagounettes qui sont passées comme ça, par-ci, par-là. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. J'ai déjà dit tout ça. Bah, merci. Merci d'être passé. Allez, à mercredi prochain.